Bonjour, chers abonnés à Africa Cool Télévision. Matondi Ming Paske Bozali Ebele, connecté, branché na chaîne Nabiso. Tozali en direct ya clinique universitaire. Bisikani Nyango, ministre sortant ya santé publique et République démocratique du Congo, a eu qu'on lancé officiellement vaccin ya contre COVID-19. C'est pour cela, chers abonnés à Africa Cool Télévision, Nasiki Bino Naboke, Bino Sobolanda, intégralité, il y a lancement officiel et avancé contre COVID-19. Tokola Kisabino Pelo, Lengeni Nyango, ministre de la Santé, Naba responsable Moussousou, ya santé, autorité en Mboka Nabiso, le Lengeni Nyango, Bango Moko, Bazo Kozo vaccin Wana, Tola Nanabino Ilongo. Bana Mboka, Baye Baete, vaccin Oyo, to benga kiyango wa pona ekimisa bokono ya coronavirus oyozo bumabiso mingi ba suspicion ezalaki mingi bato na réseaux sociaux balobi boye vaccin za mabete nga moko na uti kozwa vaccin wana siko bomoni nga net na telim limboso na bino eloko ata moko te ba chenga wa pona observation pendant 15 minutes donc net na zalia na zoyo ka eloko ata moko te évidemment. Peut-être n'a pas pourquoi moi n'était pas vaccin surtout ils allaient pas vaccin rougeole il y a ma camounio se belé tant sous moi ba fièvre n'a pourquoi tout ça omeli paracétamol nayo et sili mais on a voyé ça va congolais était vaccination et bandi lelo baya ko se faire vacciner ponato bengana bokono oyo na mboka na biso vaccin oyo tozui lelo na ko remercier pe ba partenaire na biso internationaux au Basunga Kibiso. Na ko remercier mokonzi mboka parce que ye mutazo linga asala été santé ya ba congolais ezala malam. Alors na ko senga na biso ba congolais to landa makambo ezo lekana na ba réseaux sociaux té na ba TV misusu au vaccin ezaboye bazo d'exabino ba image ya bato yo ba sala makambo depuis qu'avant que tu vaccin bazo le ba ezab vaccin ya COVID ezalo kuta. Toza awa na Afrique, Sénégal et c'est Bandaki, Congo Brazzaville et c'est Bandaki, Côte d'Ivoire et c'est Bandaki, Rwanda et c'est Bandaki, Nigeria et c'est Bandaki, et Lokomoko et Zate. Toya, tozwa vaccin abiso. Batika koko sabino. Oh, vaccin zo boma, vaccin zo. Ngayo na yutuko zwango sikoyo. Na kufite, na zo loba. D'ailleurs, tu sikoyo, et loko atamoko na zo yoka et zalite. Donc, je vous encourage, peuple congolais, boya kozwa vaccin na bino pour na bobatela, pas seulement santé na bino, bobatela santé ya bana na bino, ya bandeko na bino, et puis ya mokili mobimba, parce que mokili mobimba oyo toza na système ya sécurité sanitaire mondiale, universelle. Donc boya pour na tobatela nzoto na biso tobatela pe nzoto ya bandeko yo ba revivre pembe na biso bobana mboka baye baete vaccin oyo to benga kiyango wa pona ekimisa bokono ya coronavirus oyo zo boma biso mingi ba suspicion ezalaki mingi bato na réseaux sociaux balobi boye vaccin za mabete nga moko na uti kozwa vaccin wana siko bomoni nga net na telim limboso na bino eloko ata moko te ba chenga wa pona observation pendant 15 minutes donc net na zalia na zoyo ka eloko ata moko te évidemment peut-être na ba pourquoi moi net ba vaccin nyo surtout ezala ba vaccin rougeole ya makamunyo se belé tam sous moi ba fièvre na pourquoi tout ça omeli paracétamol nayo et sili
mais on a voyé que les Congolais étaient vaccination et bandit les lots. Baya, qu'on se fait vacciner. Ponato, benganabokono, oyo, nambo cannabiso. Vaccin, oyo, tozui les lots. Je remercie les partenaires nabiso internationaux, au basunga kibiso. Je remercie Mokonzi Mboka parce que ye mutazo linga asala ete santé ya ba congolais ezala malam. Alors na kosenga na biso ba congolais tolanda makambo ezo lekana na ba réseaux sociaux te na ba TV misusu o vaccin ezaboye bazoda kisabino ba image ya bato yo basala makambo depuis kalavant kutu vaccin bazolo ba eza vaccin ya covid ezalokuta toza awa na Afrique Sénégal et Bandaki Congo Brazzaville c'est Bandaki, Côte d'Ivoire c'est Bandaki, Rwanda c'est Bandaki, Nigeria c'est Bandaki et Lokomoko ezate. Toya tozwa vaccin na biso. Batika koko sabino. Oh vaccin ezo boma, vaccin ezo ngayo na yutiko zwango sikoyo. Na kufite na zoloba. D'ailleurs tu sikoyo et loko atamoko na zoyoka ezalite. Donc je vous encourage peuple congolais boya kozwa vaccin na bino. Pour na bobatela, pas seulement santé nabino, bobatela santé ya bana nabino, ya bandeko nabino, et puis ya mokili mobimba, parce que mokili mobimba oyotoza na système ya sécurité sanitaire mondiale, universelle. Donc boya pour na tobatela nzoto na biso tobatela pe nzoto ya bande koyo ba revivre pembe na biso. Excellent monsieur le ministre de la santé, il vous souviendra que à sa première vague la commune de Lemba n'a pas été épargnée. Parmi les trois premiers décès que la République démocratique du Congo a connu des suites du Covid-19, la commune de Lemba était parmi les trois premiers. La troisième personne décédée de cette maladie était de Lemba. Pour votre information, la commune de Lemba compte plus ou moins 400 000 habitants. Elle est étendue sur une superficie de 23,7 km². 13 quartiers, des camps et une grande université de renom qui nous reçoit ce jour. Par le lancement de la vaccination contre cette pandémie, toute la population de Lemba par ma voix dit merci à tous les partenaires qui ont bien voulu accompagner la République démocratique du Congo pour barrer la route à cet ennemi mondial qui est le Covid-19. Ainsi, Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, en motif de qualité respective, les populations de Lemba, femmes, enfants, fils, garçons, filles, vous souhaitent une bienvenue dans le sol de nos ancêtres, la commune de Lemba. Et nous souhaitons que la commune de Lemba soit privilégiée parmi les gens qui vont devoir recevoir ces vaccins. Le centre de pharmacovigilance et pharmacoclinique de notre faculté est aussi mise à contribution pour la surveillance pharmacologique afin de détecter les effets secondaires et la tolérance du vaccin. Il ne reste plus qu'à vous dire, au nom du professeur Daniel Ngoumayandzouzi, notre recteur, et merci à leurs excellences, à toutes les délégations qui se sont déplacées pour cette cérémonie. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, honorables députés et sénateurs, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le conseiller du chef de l'État en matière de la couverture maladie universelle, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour sa présence. Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions bilatérales et multilatérales, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs distingués invités, en vos titres et qualités respectives, tout protocole observé.
Je suis très heureux de prendre la parole au nom du système des Nations Unies et en particulier l'OMS et l'UNICEF pour le lancement officiel de cette campagne de vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo, ici, aux cliniques universitaires de Kinshasa. En une année, la COVID-19 est devenue l'ennemi numéro un de chacun d'entre nous, en raison de son caractère meurtrier, des restrictions qu'il impose et de son impact socio-économique dévastateur. En RDC, ce virus a déjà touché près de 29 000 personnes et ôté la vie à 745 malades. Ailleurs dans le monde, les nouvelles qui nous parviennent indiquent l'intense circulation du virus et sa sévérité, faisant basculer bon nombre de pays dans une troisième vague avec les conséquences que je viens de citer. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, précisément en avril 2020, l'Organisation mondiale de la santé avait publié une série d'orientations pour guider la mise au point de vaccins. À ce jour, l'OMS a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence pour trois vaccins. Le vaccin de Pfizer-BioNTech, deux versions du vaccin d'AstraZeneca et celui développé par Johnson & Johnson. L'autorisation d'utilisation d'urgence a ainsi permis au mécanisme COVAX d'acheter des vaccins et aux pays d'accélérer leur propre approbation réglementaire pour l'importation et le déploiement de ceux-ci. À ce jour, plus de 38 millions de doses de vaccins ont été fournies par l'intermédiaire du mécanisme COVAX dans plus de 100 pays et des économies au cours de cette dernière semaine. Pour sa part, le 2 mars dernier, la RDC a reçu, via ce mécanisme COVAX, 1,7 million de vaccins AstraZeneca sur les 6,9 millions que le pays doit recevoir. L'OMS, l'UNICEF, l'Alliance du vaccin Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, le CEPI, et nos autres partenaires du mécanisme COVAX, comme les États-Unis et l'Union européenne, travaillent sur plusieurs options pour accélérer la production et l'approvisionnement des pays en vaccins et leur permettre de stopper le virus et ses mutations, prévenir le décès dans les groupes de population à risque et favoriser la pleine reprise des activités sociales et économiques. Nous le disons souvent, la vaccination sauve des vies. Toutefois, j'insiste, la vaccination seule ne viendra pas à bout de la pandémie. Elle ne vient que compléter l'arsenal des mesures préventives en vigueur, dont les gestes barrières, distanciation physique, porte-masque, lavage régulier des mains, etc., qui ont fait et continuent à faire leurs preuves. Nous encourageons donc toutes les Congolais et les Congolaises, ainsi que les résidents étrangers, bénéficiaires du vaccin ou non, à poursuivre la mise en œuvre de ces mesures préventatives. Distingués invités, vous avez tous suivi les débats autour de la sécurité et de l'efficacité des différents vaccins. À ce sujet, et pour couper court aux rumeurs et fausses informations, je voudrais rappeler que l'OMS, l'Agence européenne des médicaments et l'Agence britannique des réglementations des médicaments et des produits de santé estiment que les avantages du vaccin l'emportent nettement sur le risque d'effets secondaires qui demeure très très rare. Dans ce contexte, si vous avez plus de 55 ans comme moi,
si vous présentez des facteurs de comorbidité, hypertension artérielle, diabète, si vous êtes personnel de santé de première ligne dans les établissements sélectionnés pour la vaccination contre le COVID-19, vous êtes éligible pour recevoir une première dose du vaccin AstraZeneca. Excellences, Monsieur le Ministre, pour conclure, je voudrais rappeler que le système des Nations Unies se tient à vos côtés et reste disponible pour accompagner les autorités nationales dans la mise en œuvre et la réussite de cette campagne de vaccination. Cela nous permettra de favoriser ensemble la reprise économique et soulager les trop nombreux foyers affectés par la pandémie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Honorable Monsieur le Vice-président du Sénat, Monsieur le Vice-ministre de la Santé, mes chers collègues, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général de la Santé, Messieurs les ambassadeurs accrédités en RDC, ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, partenaires techniques et financiers de la coopération bi- et multilatérale, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, DG et directeurs de programmes spécialisés du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres de qualité respectifs. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom du gouvernement à l'occasion de cette cérémonie du lancement officiel de la vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Je profite de cette opportunité pour remercier le président de la République, chef de l'État, pour son engagement personnel pour vaincre la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Je réitère mes sincères remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 en RDC. Ces jours marquent une étape importante dans la lutte contre la COVID-19 où la réponse sanitaire sera à jamais renforcée avec les activités de vaccin qui commencent aujourd'hui. Il s'agit donc d'un moment extrêmement important pour notre pays et pour le monde entier. Mesdames et Messieurs, un an après le début de la pandémie de la COVID-19, le cumul de cas en RDC au 18 avril 2021 s'élève à 28 894 avec 745 décès. Néanmoins, il est à noter une baisse régulière du nombre de nouveaux cas observés au cours des dernières semaines. En effet, les données du pays sur le nombre de nouveaux cas détectés au cours des deux dernières semaines indiquent une tendance à la baisse dans la plupart des provinces actives. Aussi, aucun nouveau décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés actifs dans la même période comparativement aux données de semaines précédentes. Comme partout dans le monde, la COVID-19 continue à faire des victimes avec un impact négatif dans tous les secteurs de la santé et de l'économie. Grâce à la coopération internationale, un effort est en train d'être déployé afin de rendre disponible et de fournir en quantité suffisante le vaccin contre la COVID-19 à tous les pays, y compris notre pays. Ceci
afin de maîtriser cette pandémie. C'est dans ce cadre que l'initiative COVAX a été mise en place avec comme objectif de garantir un succès équitable, un accès équitable aux vaccins à tous les pays. La République démocratique du Congo a exprimé une manifestation d'intérêt pour l'accès aux vaccins et a développé un plan d'introduction avec l'appui des partenaires en tenant compte des orientations du groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination de l'OMS en sigle SAGE et des recommandations du groupe de travail consultatif sur la vaccination en République démocratique du Congo. Vacciner en priorité les personnes de santé, les personnels de santé de première ligne, les personnes souffrant de maladies chroniques, notamment l'hypertension et le diabète, et les personnes âgées de plus de 55 ans, est en adéquation avec les orientations du groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination de l'OMS. Je m'excuse. Nous invitons donc solennellement les personnes cibles à se faire vacciner, car ce vaccin est efficace et nous montre partout ailleurs un impact positif sur la pandémie à la COVID-19. Dans le contexte épidémique mondiale actuelle, se faire vacciner est plus qu'un geste personnel. C'est aussi un acte de santé publique, de solidarité et de charité envers les plus vulnérables. Un geste de salut public pour les économies en souffrance et enfin une contribution à la sécurité sanitaire mondiale. Personne, en effet, ne sera en sécurité tant que tout le monde entier ne le sera pas. Nous devons donc conjuguer nos efforts autour des médias et des professionnels de la communication pour remporter le combat contre la désinformation et la suspicion. Distingués invités, permettez-moi de rappeler que la vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus performantes et les plus sûres au regard des précédents résultats déjà obtenus grâce à la vaccination pour d'autres fléaux, à savoir l'éradication de la variole et celle de la poliomyélite due au poliovirus sauvage, dont la certification a été faite depuis le 25 août 2020 en Afrique, et également la lutte contre les épidémies dues à la maladie à virus Ebola, dont la vaccination des populations connaît un impact considérable. Mesdames et messieurs, si le vaccin constitue un espoir dans la lutte contre la maladie coronavirus, nous devons continuer à respecter et à appliquer les mesures de santé publique éprouvées en matière de la prévention contre cette maladie, à savoir le port du masque, l'hygiène de mains et la distanciation physique. C'est sur ce mot que je lance la campagne de vaccination contre la COVID-19. Je vous remercie. C'est la
Voilà, chers abonnés à Africa Côte Télévision, Nastanzo Tozali, Bisikani Nyango, Soki, Outi, Kofer, vacciné, de Bisikani Nyango, Okoya, Kozko, Fandamo, deux ministres, bah examiné, bah. Ba malaise nyoso oyo okozala nango il faut o annoncer ngo na ba médecin pour na bayeba lolenge nini yango bakoki kosala pona yo voilà ninge bozo mona kati kuna ministre sortant ya santé publique le docteur Eteni Longondo a utaki kozwa vaccin na ye aza accompagné na médecin directeur ya clinique Ngalema yepe ya clinique universitaire yepe a utiki kozwa vaccin na ye nde bisika ba fandi pona kotele la bangona amunda muso ki peningi batubozo ko lobaloba o soko ozia ngo okobela makale kale voilà bazan bon bazan na santé malamo yango na bozo ko mona bango cher abonné Afrika ko télévision boza na toujours connecté branché to solo ki sabino vraiment betape nyo soko le ka na mokolo le parce que na République démocratique du Congo nde ba uti ko lancer officiellement campagne ya vaccination contre COVID-19 soyez toujours connecté qui va retenir la population Ok, bonjour, je suis Elisabeth Mukamba, je suis le directeur du programme élargi de vaccination. Et comme vous l'avez suivi, après le communiqué de la task force et du secrétariat technique, donc on a débuté la vaccination aujourd'hui et comme vous le voyez, on a prêché par l'exemple parce que moi, je me retrouve dans la catégorie des prestataires de première ligne. Donc, nous sommes en contact avec plusieurs personnes et nous sommes exposés à un risque. Donc, nous avons pris le vaccin. Je crois que toutes les images ont bel et bien montré que j'ai pris le vaccin. Il est là. J'ai ma carte de vaccination, elle est là. Et je voudrais rappeler que la vaccination se fait sur des évidences scientifiques et non sur des rumeurs des réseaux sociaux. Donc, c'est sur la base des évidences scientifiques que le pays a pris l'option de pouvoir introduire le vaccin. Donc, nous aimerons vraiment rassurer toutes les personnes éligibles, c'est-à-dire le personnel de première ligne, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, ceux qui travaillent dans les laboratoires, ceux qui travaillent, qui sont en contact permanent avec des personnes qui peuvent être infectées, même dans les frontières. Nous invitons toute personne qui vit avec comorbidité de type diabète, hypertension, maladie chronique, maladie rénale, hépatique, de venir se faire vacciner. Et toutes les personnes de plus de 55 ans, nous les invitons également à venir se faire vacciner. Là, j'ai reçu ma première dose. Je vais rentrer le 14 juin pour ma seconde dose. Entre-temps, avec le mécanisme qui est mis en place, on va me suivre pour voir comment j'évolue et je suis confiante que tout va très bien. 1er mai, les cinq autres provinces qui sont à risque, où on a noté quand même un nombre élevé de cas, vont aussi commencer la vaccination. Nous y travaillons déjà. Les formations vont commencer dès la semaine prochaine et ça sera suivi par le déploiement des vaccins et de tous les intrants pour lancer la vaccination. Naza Elisabeth Mukamba, Naza directeur à programme élargi de vaccination. Boutio Landa, Naoutio Zoa, dose Nanga Yambo, il y a vaccin AstraZeneca contre coronavirus. Tonyo Lobaboe, vaccin Otozu, tant que le gouvernement a décidé de faire un vaccin, Nicolo Yaba rumeur. Tozo Tala. Tozo tala ba base scientifique, tozo landa ba base scientifique. Oui, la qui si que bisika ba administrer vaccin, en tout cas, vie est comme on zon appelle normal. Neti ki signo se koki ko yape moi kokoso,
mais ekozongi sate efficacité ya mangwele oyo tozo kozwa. Donc na bongo to robenga bandeko nyonso oyo baza na ba catégorie ya bato esengeli na bongo bazo ba vaccin oyo contre coronavirus, c'est-à-dire ba oyo nyonso bazo sala na ba hôpitaux na ba laboratoire na oyo nyonso baza en contact na bato na ba frontière ba nini baya kozwa mangwele. O pe ayebi kazalaka na maladie lokola diabète, lokola hypertension, lokola maladie chronique rénale to songolo to pakala esengeli na ekoya aya kozwa vaccin na ye. Et puis au nyonso azali na 55 ans na koleka esengeli na ye pe aya azwa vaccin na ye po ekobatela ye na kosala ba forme grave ya maladie pe kopanza maladie wana na bato mosusu même na comment je veux dire na bato mosusu même ye moko kosala ba forme o ezali grave. Merci. Tobani na nuna on site na Kinshasa mais na mikolo ezali koyea toko kende au-delà ba on site wana pona robakisa ba site mosusu na ville mobimba Kinshasa, ça c'est d'une chose. Et puis avant la fin du mois ou plus tard le 1er mai ba six provinces au Ekolanda et ko zwape ba vaccin. Ba site oh wapi ba on site oh to bani na clinique universitaire to zana na hôpital Saint-Joseph to zana hôpital ya amitié sino congolais Aske na Njili to zana Vijana centre médical Vijana to zana hôpital Angaliema to zana dispensaire à Nations Unies Tozana CMK, Tozana clinique médecin de nuit, na clinique Diamant. Na banza na bosanye lo moroté. En tout cas, ba site yango wana mais dans tous les cas, na ba communiquer avec les cas to ko rappela ka ba site wana avant que progressivement ba site kenne na romata. Merci. Les visions, nous sommes en direct de la clinique universitaire Bisikani Nyango, ministre sortant de la Santé publique et République démocratique du Congo, le docteur Eteni Longondo, a lancé officiellement lancement il y a vaccination contre COVID-19. Comme vous voyez, na sali oyonde Bisikani Nyango, maïnios to cérémonie et outil kosali manaisika oyo. C'est pour cela, cher abonné, en fait, à côté télévision, je vous laisse de suivre l'intégralité de la cérémonie. Suivez. La question centre, j'allais dire, de satisfaction, parce que tout simplement, j'attendais ce jour-là depuis longtemps, puisqu'on a reporté la date, c'était le 15, me semble-t-il, du mois dernier. On a reporté la date et aujourd'hui, c'est le grand jour pour tous ceux qui croient au vaccin, comme moi. Et j'invite tout le monde à se faire vacciner parce que on va protéger les autres, on se protège nous-mêmes, on protège les autres. Il faudrait éviter de lire les théories complotistes sur le vaccin. Il y en a tellement, tellement. En fait, si j'avais cru à ce que j'ai lu hier soir, il y en a le pète là. Ils ont envoyé des théories en disant qu'il y a des grands professeurs qui ont dit que tous ceux qui vont se vacciner vont mourir. On n'a pas beaucoup de semaines. Et on va propager aussi beaucoup de virus. Donc j'estime que ça, c'est, il faut sortir de ça. Il ne faut jamais, jamais croire aux théories complotistes. Il faut croire à la science, croire à la vaccination et se protéger. Parce que c'est ça qui va nous amener à avoir une vie normale, à avoir une économie qui va reprendre. Parce que si on continue comme ça, c'est la catastrophe. La vaccination, pour moi, c'est un élément très positif, très important dans la lutte contre la COVID-19. Pas de quoi. Pour la relance de l'économie, c'est une chance avec d'autres mesures associées pour mettre fin à cette pandémie qui sévit à travers le monde. Nous traversons une crise sanitaire importante. Pour le moment, le pays n'a pas beaucoup de cas, mais nous devons mettre tous les moyens en œuvre pour éviter la troisième vague. Mesures de distanciation, le port des masques et la vaccination viennent s'ajouter pour pouvoir éviter la troisième vague. Vous savez, le pays n'a pas fermé les frontières. Les gens vont continuer à voyager. Il y a des variants qui peuvent toujours arriver. Donc, nous devons nous vacciner parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients en se faisant vacciner. On l'a rappelé, l'humain dans ce risque-là. Donc, c'est un devoir d'État. En venant ici, d'abord, pour me protéger moi-même, mais c'est un devoir d'État aussi. Cet exercice de le faire, parce que la maladie est là.
si vous venez ici, là où on soigne les personnes qui sont atteintes de la Covid, c'est overbooked, c'est-à-dire c'est surpeuplé. La maladie est là, mais nous devons faire attention, donc nous devons nous protéger. Par rapport aux vaccinés et à quelques accidents, ça représente 0,00%. Donc il faut se protéger. La santé, c'est quelque chose de très important. C'est ce que j'ai appris pendant mon mandat dans moi. Quand nous sommes malades, on ne peut même pas manger. On ne peut rien faire. Si nous voulons construire notre pays, nous devons avoir une population en bonne santé. Voilà. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi, quoi cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Ils achètent mon co, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato, oyona no ba souscrire bazwa. Donc, ils a vraiment neti o ba no bakake, buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele 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 boko za la desuté. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo ya na bino mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zana Moana, massivement. Africa cool. Équipe Mobimba et Africa cool, bah, félicitations. Et au moins, ma chaîne OESA impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Africa cool télévision, télévision, c'est l'anama. Kole kabani ngunu ngwa batuna katamboka kunu.